Eh, il t'en manque, la Wyatt. Nous y voilà. Maintenant, on attend. Sergent, ce projet Aurore est vraiment ici? C'est ce qu'ils disent. Ouais, mais ce qu'ils disent, c'est souvent n'importe quoi. T'en penses quoi, McKee? Pas grand-chose, Faraday. Mais je sens que t'as une idée. Ouais, bah tu sais ce que j'en pense. On a la bombe atomique, les Bosch ont leur V2, les Japs ont sûrement un truc. On est là pour le scientifique. Et point barre. Hey, l'escouade Hubble est prête, sergent. Vas-y, on démarre. Cap sur l'île. Vas-y, Wyatt. Merde, mais où est-ce qu'ils vont? Mais merde, à terre. Bordel. La voie est libre. Pas de blessés? L'escouade Hubble est pas rentrée, sergent. Bon. On va devoir faire sans eux. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, sergent? Ils avaient dit 6 heures! Pile à l'heure. J'espère que ça a marché. McKee, s'ils peuvent encaisser ce qu'on leur fait subir, on leur laisse leurs scientifiques. Allez en avant! Bon, ils sont deux. Wyatt, tu prends celui de gauche. Mais Reynolds, tu vas crever, espèce d'ordure! Deux de moins, plus qu'un bon millier. En avant. Couvre-moi!
par ici. Il nous reste du temps. Allez, on grimpe là-haut. En avant. On descend à travers le champ. Allez, des mines. Ouvrez l'œil. Stop! À terre. À terre. Allez, un blindé. Ne bougez pas. C'était limite. On doit avoir un ange gardien. Allez, on doit trouver ce type. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il devrait déjà être là. Pose la question secrète. Qui est mon joueur de baseball préféré? Adrian Hanson. Parfait. On n'a plus qu'à l'évacuer. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien, sergent. Si tu nous as doublés... L'arme noire. Si activée... Nous tous mourir. Bon, on dégage de là. C'est trop tard. Tu m'as peut-être mal compris. On va se barrer d'ici. Sergent, ils ont coupé notre retraite. Ok. On passe par l'abri à sous-marin. Mais on faillit lisser notre peau. Ouais, je sais. Pas trop ce bruit-là. Continuez d'avancer. L'aérodrome est pas loin. Sergent, notre taxi est arrivé. Ok les gars, tenez-vous prêts. Go. On attaque. Go. Essayez de faire vite. Charge dans les bâtiments. C'est bon. En avant. Tous dans le véhicule. Wyatt, prends la mitrailleuse. On se traîne. Accélère, bordel. Regarde droit devant, Wyatt. Continuez à tirer! Kaido! Sergent, vous êtes sûr que c'est par là? Oui!
volonté! En contrebas, on continue! Je crois que les renforts ennemis arrivent! Mitrailleuse! Allez, grenade! Allez! Allez, on s'arrête pas! C'est bon! Les sous-marins sont là en bas. Vite, par ici! Wyatt, dépêche! Fais sauter la porte! Reculez! L'escouade rouge a dû prendre un sous-marin dans l'abri qui est là-bas. J'espère qu'ils sont encore là. Sinon, le scientifique a raison. On est foutus. Ce sous-marin est la seule issue possible! Le sous-marin! Il se casse! Maniez-vous! Et allez, plus vite! Ouvrez-moi cette foutue trappe! On a réussi. Ouais. Tu vois, je t'avais dit qu'on le ferait, Wyatt. Diplomatici russi e americani sono recati oggi a Bruxelles per le. Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. De compagnie. On était en territoire ennemi pour appuyer une opération de contre-espionnage. Ça devait être une simple mission de soutien. Mais rien n'est simple dans la guerre. Pas vrai? J'y crois pas, Agard. Tu nous guides encore au milieu d'un champ de mines. Vous êtes tous des sacrés abrutis. Hey, ils se rassemblent en bas. Marlo, combien de temps? Environ 5 minutes. Parfait. On y sera dans 3. Notre homme apparaît pas sur mon GPS, sergent. Vous êtes sûr qu'il est là? Ouais, sauf si on nous a refilé des infos périmées. Et ça arrive souvent? C'est ça. On y est presque. Avancez.
C'était magique, sergent. Vous m'avez sauvé la peau. Personne crève sous mes ordres. Marlowe, passe devant. Notre contact va pas nous attendre toute la journée. On se bouge. On s'occupe de ces types tôt ou tard. Bientôt. Autant le faire tout de suite. Attendez, une patrouille. À mon signal. Ok, à mon signal. 3, 2, 1. Il se tire, descend-le. Ennemi éliminé. Notre homme doit être avec son contact. On se met vite en position. Oh merde, c'est notre agent. Cible en vue. Archange, ici Bravo 2. On a un visuel sur un véhicule et peut-être sur notre cible. Bien reçu, Bravo 2. Oh, non, merde. Espèce d'enfoiré. Archange, demandons autorisation d'éliminer la cible. Sergent. Archange, il va se tirer. Négatif, Bravo 2. Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas. Je l'avais. Pourquoi on laisse filer ces ordures? Les ordres sont les ordres. Alors, calme-toi un peu. Il perd rien pour attendre. Archange, la cible est partie, mais pas le véhicule. Bravo 2, la ville est déclarée hostile. Sécurisez le véhicule. Bien reçu, Archange. Terminé. Allez, on y va. Ok, Bravo 2. Vous avez le feu vert. Capturez le véhicule cible. À l'attaque! Blindez les jets ennemis repérés! À terre! Démêlez vite! Bravo 2, l'ennemi a déployé des fumigènes, leur renfort arrive. De ce côté! Alpha. Bravo 2, des unités sont déployées. Elles seront là dans une minute. Tenez bon. Eh ben, elle va être longue, cette minute. Bien reçu, Archange. On attend. On leur tient tête. Envoyez les cavaleries. Et comment on fait ça en priant très fort? Planquez-vous! Merde! Nos pilotes sont en vacances ou quoi? Garde la tête baissée et essaye de rester planqué. Il devrait pas tarder. Moi, je veux bien, sergent. Mais à ce rythme, on n'aura bientôt plus rien pour se planquer. Eh ben, creuse un trou. Bravo 2, la frappe aérienne est prête. Vous devez lui désigner manuellement le véhicule ennemi. Je répète, vous devez cibler le blindé manuellement. Marlowe, serre-toi des jumelles. Marque la cible. Tire, Marlowe! Et garde un œil sur le ciel! Cible confirmée, missile en route. 3. À terre! Tout le monde à terre! Ça doit pas faire du bien! C'était beau, j'en aurais chialé! Merci! Allez, notre véhicule cible doit plus être très loin. Non,
Y a pas moyen d'aller plus vite! Non, pas possible, c'est un diesel! La ferme à garde, regarde la route! Oh merde! Quoi? Rien, conduis! Marlowe, surveille nos arrières et élimine ces types avant qu'ils approchent! Ici, bravo 2! On a le véhicule! Mais l'ennemi nous colle au train! On essaie de s'en débarrasser! Hé! Hey, mais ça fait mal! Dans l'huile! Ah merde! Qu'est-ce que tu fous? On est coincés! Allez, avance! Oh merde, 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 merde! Allô, feu! Hé, hey, du con! Apprends à conduire! Attention, bravo 2, un ennemi approche. Répétez, Archange, un ennemi quoi? Eh merde, oubliez! Agar, prends le tunnel! Oublie le camion! Allez, magne! Baissez-vous! Ici, attention! Plus vite! Allez, allez! C'est pas possible, c'est un gag! Abattez ce putain d'hélico! Allez, fa... Ah, merde. Vous êtes toujours avec moi? À garde! Ah! Sweetwater! Oh! Eh ben, ça, c'est quelque chose. C'est du toc, ce que vous avez rapporté. Du toc, chef? Oui, info. Le projet doit pas être au point. Quel projet, chef? Ils construisent une nouvelle arme. On sait très peu de choses. Mais ça nous fait flipper. Et ce qu'on ne sait pas nous fait encore plus flipper. On a donc besoin d'informations. Et il nous les faut pour avant-hier. Alors vous... Oui. D'accord. Écoutez, on a besoin de ces infos au plus vite. J'ai déjà 9 autres unités coincées dans des merdiers pas possibles. Maintenant, vous bossez pour nous. Faites ce que vous faites le mieux. Suivez votre instinct, soyez sans pitié. Aidez-nous, et vous pourrez rentrer. Vous pourrez tous rentrer chez vous. Dites, comment ça, chez nous? Chez nous, chef? Ouais. Vous êtes partant? On est partant, colonel. Bon, l'objet que vous avez trouvé... C'est la spécialité d'un de nos agents. Il est en Bolivie. Il s'appelle Aguirre. Donnez-lui ça. Allez, bienvenue dans le régiment des OP de force locale. Alors là, rien compris. Je crois que ma retraite vient de me passer sous le nez. Eh ben voilà, une fois de plus. Le régiment des opérations de force locale? Putain, c'est énorme! La Bolivie? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé quelque part en Bolivie, à bosser pour une organisation avec un drôle de nom. Sous les ordres d'un type habitué à sacrifier des soldats comme nous tous les jours. En un sens... Les choses s'amélioraient. Ce type, Aguirre, ça doit être un sacré barbouze de la CIA pour pouvoir bosser ici en solo. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas du tout. Hé, hey, Flynn, c'est ça? On arrive bientôt? Flynn! Monsieur le pilote! Hé, hey, oh! Eh hey, merde, c'est pas vrai! Une minute, mec. J'ai encore perdu mes clopes. Ça va pas du tout. Saloperie de mardi, j'arrive pas à me sortir les doigts du cul, mardi. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Dans 2 minutes. Oh, c'est quoi ça? Oh, lance-roquette! Lance-roquette! Ouais, j'ai vu.
Waouh, qu'est-ce qu'il fout ? Non, vous voyez, ces roquettes russes, c'est de la merde ! Contre un javelin, j'aurais dû faire un truc plus rock'n'roll ! Contente-toi de nous amener à destination, sinon c'est moi qui vais te faire un truc rock'n'roll ! Ok, ok, on y est presque ! QG, ici Ghost Rider, confirmant déploiement coordonnées 6449. Allez, on monte. On dirait que la mission est déjà finie. Ok, tous avec moi. Et ouvrez l'œil. C'est peut-être notre homme qui a fait ça. C'est impressionnant. Bah, il t'en faut pas beaucoup. Chut. Et maintenant, sergent ? On bouge. Écart de 5 mètres. Par ici. Aguayo nous attend, là-haut. Ça a dû chauffer, ici. Certains de ces types bossent sûrement pour Aguayo. Il y a deux corps, c'est tout. On perd notre temps! Attendez une minute. Laisse-le tranquille, merde! Il est mort! Mais qu'est-ce qu'il te faut, bordel? Un rapport d'autopsie signé par la brigade des experts au grand complet? Aguayo est toujours vivant. Ils auraient pas laissé ces types, sinon. Ouais, c'est un indice. Aguayo nous a laissé un indice. Regardez-moi ça. Ça correspond exactement. Faut remonter la rivière. Super. On appelle Flynn. Flynn est parti à garde. Décidément, c'est de plus en plus mieux. On a de la compagnie. Infanterie en mouvement à 12 heures. Ouais, je les vois. Ouvrez le feu. Les ratez pas. Dégage ! Par là. Gardez la tête baissée ! Sur la colline ! Roquette ! Tenez vos positions ! Merde ! Il est là ! Regardez ! La terre ! Lance roquette sur la crête ! À terre ! Planquez-vous ! Marlowe, va prendre le lance-roquette sur la terrasse. Tire de couverture ! Pourquoi ces types nous sont tombés dessus ? Probablement pour nous empêcher de trouver Aguayo. Il est vivant, je vous dis, j'en suis sûr ! Alors c'est quoi le plan ? On appelle Flynn et on rentre ? Je t'ai déjà dit non. Bon, faudrait qu'on trouve un véhicule. J'aime pas cette rivière. Ouvre l'œil, quand même. Cette arme, c'est du lourd. Vous croyez que Braidwood nous a tout dit ? Mais j'en sais rien, moi. Je suis un soldat. Oh, un agent secret. Un planqué. Je fais juste mon boulot. Ok, bah moi j'ai une théorie. Oh ! Sans blague !
Je sens qu'on va bien se marrer. Écoute avant de critiquer. Si ces types sont bien des mercenaires, alors quelqu'un doit les payer. Ouais, mais qui ? C'est ça la question. Quelqu'un qui s'intéresse à Aguayeur, j'imagine. Merde, vous avez vu ça ? Sûrement des oiseaux. Je sais pas. Peut-être. Continuez d'ouvrir l'œil. Hey ! Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Je pense qu'ils nous observent. Pourquoi ils attaquent pas ? Attends, t'as raison. Il y a quelque chose là-haut. Ouais, dans les broussailles. T'as vu ça ? Non, je sais pas. Je dois me faire des idées. Marlo, fais-nous sortir de là. Génial, on s'est échoué, de mieux en mieux. Allez, descendez, on continue à pied. J'espère qu'un jour on pourra visiter un pays sans buter tout ce qui bouge. Ouais, moi aussi. Baissez-vous. Je vois un sniper là-haut. Il surveille la rivière. Marlo, il est à toi. Surtout, discret. On dirait un russe. Où est-ce qu'il l'emmène ? Aucune idée. Mais je sens qu'on va pas tarder à le savoir. Marlo, on va essayer de se rapprocher. Bute les gardes au fusil sniper. Sers-toi du tonnerre pour couvrir les tirs. C'est génial, mais j'aurais dû y penser moi-même. Ouais. On y va, restez concentrés. Savoir où ils l'ont emmené. Le type sur le ponton. Attends le coup de tonnerre, et tu le descends. C'est quand tu veux. Joli tir. On continue, sergent. On y va. Deux tangos sur le ponton. Distance à la cible, 7, 2, vent à 5 nœuds. On attend le tonnerre. C'est quand tu veux. Excellent. Unité, on avance. Bien reçu. On a un ennemi à 12 heures. Attends le tonnerre. C'est bon. C'est parfait. Beau travail, petit. Il y en a encore de près des officiers. Attends qu'ils s'éloignent. C'est quand tu veux. Impeccable, Marlo. La voix est libre. Ok, on bouge plus. On écoute, les gars. Bien, on a eu ce qu'on voulait. Ok, c'est bon. On se regroupe. Excellent, enfin de vrais résultats. C'est bizarre quand même. Qui irait se battre avec un chapeau de cow-boy sur la tête ? Les cow-boys ? Mais enfin, il n'y a jamais eu de garde cow-boy ! Les cow-boys de Dallas vont à la guerre tous les dimanches.
parfois l'un des... Ouais, il faut trouver Aguirre, ok? Attends, attends. Un piège. Merde alors. Comment tu l'as vu? C'est mon sens d'araignée surdéveloppé. Eh ben, merci Agar. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je suis allé à l'école, Super Miro. Ouais. Ça va être super coton de les déloger. Ils ont un mirador ici, et un autre là. Bon. Voilà ce qu'on va faire. On fonce tout droit. Et on saute dans le lit de la rivière là-bas. On les occupe. Et tu les prends par le flanc. Allez, dans la rivière! Il l'emmène sûrement là-haut. Et le camp a l'air bien défendu. Va falloir taper fort. Attention! Les hélicos russes, merde! Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Ça complique les choses. Il est ici. Un char! Planquez-vous! Explosez-le à la roquette! Cet hélico doit être là pour Aguirre. Allez, on se bouge. Le voilà! Tu es pas le VIP, on le veut vivant. Allez, feu! Un pas de plus! Commandant Aguirre. Attention. Voilà, on est quitte. Monsieur, c'est Brainwood qui nous envoie. On a quelque chose à vous montrer. Allez-y, entrez-moi. C'est pas vrai, ils l'ont vraiment fait. D'après Brainwood, c'est un leurre. Évidemment que c'est un leurre. C'est moi qui leur ai dit, merde.
De toute évidence, ils allaient pas transporter l'arme là-bas. On le savait déjà, ça. Ah bon ? Regarde. Il y a quelques mois, on a réussi à pirater un vieux satellite météo français qui avait un emplacement stratégique. Il nous a permis d'apprendre pas mal de choses, notamment l'existence du leurre. Puis ces types sont arrivés. Ils ont pris toutes vos données ? Ouais. Pas de copie ? Où ça ? La station de contrôle du satellite était dans les Andes. D'après Aguayer, on pouvait le détruire. En théorie. Dites, les mecs, vous pouvez arroser un peu ces lascars, là, en bas ? Ok, Marlowe, Haggard, prenez ces mitrailleuses et faites-vous plaisir. Tu pourrais nous aider un peu, Flynn ? Qui, moi ? Pas possible, je suis un pacifiste ! Quoi ? Un pacifiste ? Non, mais tu te fous de moi ou quoi ? Non, c'est mauvais pour mon karma, mec ! Moi, mon truc, c'est de planer dans les airs ! Haggard, laisse tomber ! Mon cul ! Je peux pas laisser passer un truc pareil ! Je m'entamponne du karma et je vais exploser ces salopards ! Reste zen, mec ! Connard pacifiste, espèce de chouineuse de gauchiste ! On va faire le ménage sur cette Zeta ! Faites attention aux roquettes ! Merde ! Ils s'enfuient ! Ils ont raison ! Non ! Bon ! Ils sont trop nombreux ! Je vais vous sortir le grand jeu ! Ouais, continuez de les allumer. Continuez de buter ces lance-roquettes et c'est bon. Roquette. Merde. Couvrez-moi, je dois recharger. C'est l'armée rouge. Je t'ai dit de faire gaffe aux roquettes ! Fais attention, Flynn ! Occupez-vous de tirer sur ces types ! Moi, je me charge d'esquiver ! On y va ! Je refais un tour ! Bon, on est presque ! Continuez de les occuper ! Je vais me poser sur le toit de ce bâtiment! Il est là! Regardez! Ok! Arrivez dans 3, 2... Yo! Planquez-vous! Dans la maison! On traverse! Allez! Go! Bravo 2, je me tire! Je risque d'attirer l'attention si je reste ici! Bonne chance! Descendez ce type! Merde, on est où là? Dans l'Himalaya? Ça doit être là. Faites gaffe, bousillez rien, ou on peut dire adieu au satellite. Ne tirez pas sur les consoles. Ok, on y va. Et voilà, il devrait pas tarder maintenant. Heureusement que ce truc est déjà complètement pourri et facile à pirater. Moi, je dis vive la France. Bon, il reste plus qu'à récupérer le serveur caché dans cette espèce de tas de ferraille. Bon, le satellite est sorti de son orbite. Il chute vers la Terre à grande vitesse, on appelle Flynn ? Ghost Rider, ici Redford. Le satellite va s'écraser. Tu peux venir nous chercher ? Bravo 2, ici Ghost Rider. Négatif, il y a trop de vent au sommet de ces montagnes. C'est beaucoup trop risqué, vous allez devoir faire sans moi. Désolé les gars, je peux rien faire. Terminé ! C'est pas vrai ! Si cette chouineuse de hippie gauchiste en avait dans le futal, on serait déjà sur le site du crash à s'envoyer des margaritas.
Bon, j'ai les coordonnées du point d'impact probable, on peut y aller. Ok, le voilà. Il est tombé à environ 1 km d'ici. T'es sûr de ton coup, au moins ? Agarde, ce truc est sorti de son orbite et a atterri pile où on voulait, alors un peu de respect. Un tout petit peu. Sergent, on a besoin d'un véhicule. Parfait, il y en a un juste là. Ça va faire mal. Ennemi éliminé. On peut prendre ce 4x4. Combien de temps avant le crash, Sweetwater ? Je dirais environ 4 minutes, mais c'est juste une estimation. Y a pas de temps à perdre, en tout cas. Arrière, ces abrutis nous ont pris en chasse. Tant pis pour l'élément de surprise, ils savent où va tomber le satellite maintenant. Mais comment ils peuvent le savoir? Je croyais que t'avais piraté ce foutu tas de ferraille. Comment ils savent? Lève les yeux! Fais gaffe, Preston! Et regarde pas en bas! On doit pas s'arrêter, Preston. Attends, les commandes répondent mal. Ralentis un peu. On ne peut pas ralentir, je vous dis. On peut pas. Dites-moi que je rêve. J'ai jamais rien vu d'aussi fandard de toute ma vie. Ah, allons récupérer ce foutu matériel. Trouve la boîte noire. Le serveur. Le truc, c'est que je suis pas vraiment ignifugé, c'est beaucoup trop chaud pour le moment. Il est renforcé contre les radiations, alors. Ennemi sur la gauche, repoussez-les. J'en vois un là-bas. Mettez-vous en couvert. Lance-roquette sur le toit. Ne laissez pas démolir le satellite. Je crois que c'est bon. Dommage que le temps se gâte. Allez, finissons-en. Une tempête se prépare. Vous deux, trouvez la boîte noire. Et nous, on va essayer de récupérer un véhicule. On ferait mieux d'appeler le sergent. Je reviens tout de suite. Me tire pas dessus, lui, j'ai...
écoute, j'ai largué des fusées pour te montrer la voie. Ça devrait t'aider. Marlowe, ici Bravo 2 Alpha, réponds. T'es où? On cherche Haggard. Flynn ne répond plus. Écoute, si tu m'entends, tu vas devoir te mettre à l'abri, et vite. Les Russes sont partout sur cette montagne, ils ont installé des refuges. Trouve un moyen de te réchauffer. Et surtout, ne traîne pas dehors trop longtemps. Ou t'es sûr de crever de froid. Tiens bon. Mais est-ce que c'est une arme scalaire? Ça a de la gueule, hein. Mais c'est impossible. T'as jamais entendu parler de l'opération Aurore? Si, bien sûr, mais même si on pouvait vraiment générer un champ scalaire... Ça créerait d'abord une énorme perturbation dans la troposphère. Stop. En français. Une arme scalaire génère de très puissantes impulsions électromagnétiques. Et alors? Alors, il leur suffit de l'activer au bon endroit pour couper le jus et plonger les États-Unis dans le chaos. Et si les troupes russes décident de nous envahir à ce moment-là, c'est fini. On a intérêt à retrouver ce type. Arkady Kirilenko. Merde. Ce serait pas le mec que t'as laissé filer? Il joue un rôle dans ce projet? C'est lui le cerveau. Et si on veut l'avoir, on doit partir tout de suite. Je dois d'abord informer Bradwood. Non. Si on le prévient, il va envoyer les forces spéciales, des tocards obsédés par leurs gadgets alors que c'est à nous de le faire. Sergent? Écoutez, j'ai 44 piges. Je passe mon temps à vous surveiller comme des mômes. Et ma carrière va dans le mur. C'était ma dernière mission, bordel. J'ai plus envie de me battre. Je veux plus. Même pour sauver les États-Unis? Et après? C'est tout. D'accord, donc t'en es? Bah, c'est ma faute si ce salaud respire encore. Sweet? Laissez-moi réfléchir, oui! Regarde. Je suis trop jeune pour la retraite. Et le Texas a besoin d'un sauveur. Alors, ok. Alors, c'est décidé. Vous allez prendre un blindé dans la zone pour pouvoir atteindre Kirilenko. C'est la seule solution. Et on est parti au sud, vers le Chili. Aguayer devait avoir des amis bien placés, parce que des blindés américains nous attendaient. Depuis le temps qu'on bossait sans l'aide de personne, c'était un peu Noël. Sauf qu'on a eu un colonel russe au pied du sapin. C'est simple, on se serait cru en vacances. Bravo 2, ici Rivergarde. J'écoute, Rivergarde. Kirilenko a été localisé dans un village, probablement un corps armé, près du grand parc d'éoliennes de Talinet. Essayez si possible de le prendre vivant, mais vous savez quoi faire si ça tourne mal. Ok, bien reçu, Rivergarde, terminé. Kodiak 3, on change d'itinéraire. Bienvenue dans la zone rouge. À toutes les unités du secteur, ici Kodiak Alpha. L'ennemi a déployé des blindés lourds dans la région. Nos troupes subissent des tirs d'armes lourdes, d'armes légères et de roquettes. Merde, ils ont des radars CME. Nos chasseurs vont pas pouvoir approcher. Et on en aura besoin. Il va falloir qu'on les explose alors. T'es un vrai génie, toi. T'as entendu, Marlowe? T'es comme ces radars. Ok, bon, je compte environ une vingtaine d'obstacles dans le secteur. Faites le ménage. Utilisez le zoom pour les attaquer sans vous rapprocher.
Eden. Et de deux. Beau travail, bravo deux. On continue. Voilà, je crois qu'on est bon. C'était le dernier. La zone est sécurisée. On continue vers le village. Bien reçu, Kodiak 1. Je détecte un paquet de lanceurs tôt. On va... Mais attention ! Merde ! 4 est touché. Ripostez ! Je les vois. On attaque. Ah merde! Je sens qu'une mauvaise surprise nous attend ici. Éliminez ces cibles, vite! Bon, les lanceurs sont HS, mais vaut mieux rester prudent. On va faire un détour à droite. Ok, bien reçu. On part à droite. Il nous faut un volontaire pour prendre cette station de contrôle. À vous de jouer, bravo 2. Marlowe, occupe-toi de ça. Tu vas faire qu'une bouchée de ces foutus lanceurs avec ce drone. Chasseur en position. Envoyez vos coordonnées. Négatif, négatif. Attendez, je dois me repositionner. Pareil à tirer. Envoyez vos coordonnées. Missile en route. Ouais, pas mal du tout. Ça, c'est la classe. Ok. Bien joué, Marlowe. Nos chasseurs ont le champ libre. On repart. C'est bon. Beau travail, bravo deux. On va peut-être réussir, finalement. Voilà, enfin le village. On continue. Kodiak 1, la ville est truffée de lance-missiles anti-char. Vous allez devoir sortir de votre char et désigner les cibles manuellement. Visez la fumée, bravo 2. Chasseur en position. Envoyez vos coordonnées. Serpent 5, en route. Préparez-vous à l'impact. Et ça tombe! Joli coup, objectif détruit. Serpent 5, cible confirmée. Mission terminée! Kodiak 1, on avance bien. Serpent 5, cible confirmée. Excellent, c'était le dernier. Beau travail, bravo deux. Vous pouvez refaire équipe avec nous quand vous voulez. On vous doit quelques bières. Bien reçu, Kodiak 1. J'espère qu'on aura l'occasion de les boire. Allez, sortez du véhicule. On va continuer à pied dans la ville. Les derniers traînards sont en place. Position. Ouais, Kirilenko doit être par là. Joli tir. Серебро один, да! Мы вступили в бой с небольшим отрядом! Je sais pas qui c'est, mais c'est pas notre homme. Pousse-toi, laisse-moi voir. T'as raison, c'est pas lui. Ce type avait les poches bien remplies. Un téléphone satellite, quelques cartes, $50,000 en liquide. Mais il y a encore mieux. Il dit qu'il sait où est Kirilenko et qu'il nous le dira si on le laisse filer. Laissez-moi un peu avec lui. Hey, combien de temps à ton avis ? 10 secondes.
5. 5, 4, 3, 2. Bingo. Merde. Bon rassemblement. Ok, je sais où se planque Kirilenko. Vous, on va avoir besoin de vos armes et donne vos véhicules. Ce que vous voulez, chef. Qu'est-ce que vous lui avez dit, sergent ? Rien. Juste dit pourquoi on est là. Et ça a suffi à le convaincre. Ouais, il a de la famille à Houston. À Texan. Ah, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. En voiture. Bon, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre sur le pont, alors gardez les yeux ouverts. Cette opération pourrait facilement mal tourner. Bien reçu, Dagger 1. On est paré. Allez, on capture ce connard et on rentre. Bravo 2, on va pas tarder à traverser le pont. Ouvrez l'œil. On vous couvre, Dagger 1. Marlowe, reste sur cette mitrailleuse et si ça bouge, tu tires. Il y a pas mal de débris sur la route, peut-être des explosifs. On ralentit, je préfère pas prendre de risques. Embuscade, lance-roquette sur les falaises. On peut pas rester sur ce pont. Go, go, go. Je vais aussi vite que je peux. Et merde, ces salauds arrivent de partout. Eh bien accélérez. On va se faire pulvériser si on reste ici plus longtemps. Ils nous encerclent. Explosez-le à la roquette. Bordel de merde, plus de munitions. Continuez de tirer. Sortez-nous de ce piège à con. Un char vient vers nous. Je m'en charge. On a tout un tas d'ennemis qui traversent la rivière. Allez, go, go, go. Allez, plus vite, plus vite. C'est bon, on dégage de là. Allez. Putain, j'ai bien cru qu'on allait se faire pulvériser. Accélère et sors-nous de ce merdier. Pitbull, ici Dagger 2-2, on est arrivé au tunnel. Vous pouvez le bombarder quand vous voulez. Envoyez la sauce. Cet enfoiré nous échappera pas. Bien reçu, Dagger 2-2. Eagle 6 en route, arrivé dans 10 secondes. J'adore les feux d'artifice. On dirait le 14 juillet, c'est génial. En avant, les gars. Bon, ok. Vérifiez bien vos armes, vos munitions aussi. Et surtout, gardez bien les yeux ouverts. On approche du village, préparez-vous. L'accueil risque d'être chaud. Bien sûr. Est-ce qu'on sait ce qui nous attend ? Les renseignements n'ont rien du tout sur cette zone. Ils sont trop occupés avec ce qui se passe sur la côte pour penser à nous. Mais on peut quand même compter sur un soutien aérien. Y'a personne ici, où est-ce qu'ils sont tous passés ? Merde, ils nous ont repérés ! Il y a un Zeus sur la colline ! Attention ! Quittez le véhicule ! Allez, bloquez-vous ! Au pied de la colline ! J'ai un visuel, allumez ces types ! Ici Serpent 5, en route, préparez-vous à l'impact ! Envoyez vos coordonnées. Bravo 2, ici Riverguard. Le commandement sud va lâcher l'artillerie lourde sur la zone où se trouve Kirilenko. J'ai essayé de négocier avec eux. Mais ils veulent rien entendre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les retarder. Mais dépêchez-vous de capturer la cible. Riverguard, ici Bravo 2, bien reçu. Vous l'avez entendu, on bouge. Attendez, on charge sous les tirs d'artillerie. On enchaîne les embuscades. Il aurait au moins pu dire s'il vous plaît. Arrête de chouiner, Sweet. Attention !
Bombardement! Ils ont pas pu se retenir plus longtemps! Allez, plus vite! C'est un vrai brasier! On va y passer! Merde! Je vois. Vous avez pour ordre de me prendre vivant. Eh ouais. Merci. C'est Bush, tu es là. C'est toujours la même chose. De quoi tu causes? Vous dites, tu es le s'il bouge, mais vous ne le ferez pas. Vous savez que c'est la vérité, pas la peine de nier. La vérité, mec, c'est qu'on a tous les flingues. Sergent, c'est le manifeste d'un navire, le sangré des taureaux. Qui vous envoie? Sergent, je crois qu'on ferait mieux d'y aller, là. C'est Aguayer qui vous envoie, n'est-ce pas? C'est un adversaire intelligent, vous savez. Me capturer ici, c'est un joli coup. Sergent! Aguayer, il a vraiment bien joué pour arriver aussi loin. Vous aussi, je le reconnais. Il est où, Rasputin? Oublie-le, faut qu'on se tire. Putain! Hé, hey, surveille un peu ton langage, tu veux? Je suis fier de toi, Preston! Hé, hey, quelqu'un aurait une clope? J'en ai plus! Ah ouais, content de te voir, taré de hippie! Ghost Rider est toujours à l'heure. Je vous le répète, on ne sait pas s'il est mort. J'espère que c'est le cas. Sinon... Sinon quoi? Parlez-nous plutôt de ce navire. Le Sangre des Taureaux était un cargo panaméen. Il a disparu en 49 près des côtes du Pérou. Et vous savez pas ce qu'il transportait, ni comment il a fini dans le désert, ni pourquoi il s'y intéresse? Non, c'est vrai. Mais s'il le veut, alors on le veut aussi. Bonne chance. Hé hey, je crois que j'ai une solution. Ouais, compris. Agathe. Tout le monde descend. Je vais pas plus loin. Bravo 2, je me tire d'ici. C'est vraiment trop chaud pour moi dans le coin. Ils sont trop supérieurs dans les airs. On reste en contact. Terminé. Allez, on doit découvrir ce qu'ils faisaient ici.
utilise ses imageurs pour localiser le sangré des taureaux. Je comprends toujours pas pourquoi Kirilenko cherche ce vieux cargo. Mystère. Ghost Rider, ici Bravo 2-2, voici tu trouves quelque chose sur la fréquence 0-1-1 Alpha. Ok, ouais, j'ai trois signaux. Je t'envoie ça sur ta carte. Voilà, c'est fait. Mais... Et merde. Preston, je vais devoir rester ici pour maintenir le signal. Va falloir que tu changes de position pendant que je fais certains réglages. Et moi, j'en profite pour voir ce que je peux découvrir sur ce cher Aguayer. Oh ouais, Sangre de Toro. Enfin, je te tiens, mon joli petit navire fantôme. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Ce cadran. Ça a marché. Ça a marché. Je suis vraiment surpuissant. Hey, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez, je veux qu'on m'enterre près du stade des Cowboys, au Texas. Un barrage. Ouais, ici, c'est un point à se faire piéger. Sniper, à couvert.
qu'on va être sacrément à découvert. Si jamais quelqu'un nous voit... Tire de couverture! Par là! Sniper! Vous voyez? Si Sweet avait raison. Mais bon, je sais que c'est un de ces boutons. Ceci. Celui-là, ah, je savais bien que j'aurais dû faire des études. Je sais même pas utiliser un ordinateur. Hey, voilà. Ok, continuez sans moi, je me débrouille. Bien joué, Marlowe. Triangulation réussie. Tu devrais voir le cargo sur ta carte maintenant. On doit rester près des antennes pour maintenir le signal, Marlowe. Bon, à toi de jouer, mec. Et voilà. Je me retrouvais dans un cargo soi-disant disparu, à chercher quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Mais j'avais mes raisons. Moi aussi, je voulais rentrer. Et puis je l'ai trouvé. Et c'est là que tout a basculé. C'est cette fameuse opération Aurore. Je crois qu'on a tapé dans le mille. Quoi ? Mais c'est génial ! Sergent, laissez-moi lui parler ! Continue, Preston ! Non, attends, je connais les voyeurs aussi ! Ok. Ouais. Waouh. Apparemment, on savait que les Japonais possédaient la technologie scalaire dès 1943. L'opération Aurore, c'était une mission suicide. Et on a sacrifié tous ces soldats. Tous. Wyatt. Faraday. Wyatt ? Ils savaient ? Ouais. Ils avaient même estimé les pertes à l'avance. Ils voulaient sûrement vérifier les capacités de l'arme. Minute. Bon, vérifiez ce code. Sierra Foxtrot 1079. C'est bien un préfixe militaire américain, mais je ne trouve rien du tout. Il y en a beaucoup ? Difficile à dire. J'en vois qu'un. Prends-le et ressors au plus vite. Ça craint vraiment.
On retire tous nos agents de la zone. Bien reçu. Après ça, les Russes ont vraiment commencé à nous mettre la pression. On est parti vers le nord pour rejoindre Aguayer. Et on a bien failli réussir. Ce truc paye vraiment pas de mine, hein? Ouais, faut pas se fier aux apparences! Rappelez-vous la fameuse histoire du cheval de Troie! Moi j'ai vu que l'un. Troie! L'Iliade! Sacré bouquin! Quoi qu'il en soit, on doit rapporter ça à Aguayer au plus vite. Je sais pas. Ce type m'inspire pas confiance. Dis, t'as trouvé quelque chose sur lui dans le terminal? Pas vraiment! C'est un vrai fantôme! On nous attaque! C'est un diable! Je vais me poser, les gars! Arrête, merde! C'est pas le moment de jouer les héros! Allez-y! Sautez tous! Ça ira! Position, là. Unité en approche. Une minute, peut-être moins. Y a plus que toi et moi, on dirait. Allez, c'est parti, au boulot. Un groupe sort de la forêt, à gauche de la route. Surveille bien la gauche, j'en vois d'autres arriver. Infanterie à droite de la route, c'est reparti! Ça suffit, je change de maison! Couvre-moi! Bon, ils ont leur compte. T'es vraiment un sacré tireur. Renfort ennemi! C'est bon, c'est juste un blindé. 4 soldats, pas de problème. Voyons où est partie cette unité. Bravo 2, ici Bravo 2 Alpha, vous me recevez? Sergent? Sergent! Ici! Ici Sweetwater! Je suis avec Marlo. Ok, je répète. Ici Bravo 2 Alpha, vous me recevez Bravo 2? Sergent! C'est pas vrai! Pourquoi c'est toujours quand ça merde le plus que l'équipe est coupée en deux? On a vraiment pas de bol, nous. Peut-être que Flynn a raison. Je devrais surveiller un peu mon karma. Toi aussi, Marlo. Allons-y. Vous avez le cylindre? Ouais, on l'a. Mais notre pilote s'est fait capturer, on peut pas l'abandonner. Bravo 2. Soyez pas idiots. Il nous faut absolument ce mélange. On enverra avec notre équipe extraire le pilote. Le mélange? Comment vous savez que c'est un mélange? Vous disiez pas savoir ce que ce navire transportait. Ça suffit. Rapportez-moi ce cylindre. On n'a pas de temps à perdre en mission de sauvetage à la noix. Vous avez les coordonnées. Faites votre boulot. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Merde, mais dites quelque chose! Eh merde, tu vas pour vous? Mais moi, je crois bien qu'il est grand temps d'aller aider notre hippie coco gauchiste préféré. Agarde, pour une fois, je suis entièrement d'accord.
Je croyais que t'étais un pacifiste. Tu sais, même Bouddha devait se mettre en rogne de temps en temps. Oh. Salut. Ah, viens. Ok, je vois que tout roule, les gars. Oh. Avant que j'oublie. Waouh. Alors là, un vrai don du ciel. Qui va te filer le cancer. Bon, c'est quoi votre plan pour sortir d'ici? Il y a une base. Un peu plus bas. Elle était pleine d'hélicos, alors. Parfait. Alors, en route. Regardez, des quads. Oh, Flint, t'es en état de conduire? Ouais, ça ira. Les hélicos sont pas loin. Allez, accélère, tas de ferraille! Ah, ça va être la faute du moteur? Et voilà le travail, tu vois, Sweet? Tu vois comme voilà je suis surpuissant? Faut aller jusqu'au terrain d'atterrissage. Quand il s'agit de faire la course... On y va! Tout en modestie, Haggard. Rata 1, est à la compagnie Delta de sa zone? Joli tir, petit! Rata 1, affirmativo, nos enfrentamos a una fuerza numéricamente inferior y nos están pateando. ¡Un francotirador! ¡Cúbrete! ¡Ahora! ¡A la doce! ¡Mierda, costero! ¡Hostia, cúbrete! ¡Cubro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hombre, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! L'hélico ennemi décolle. Le voilà, les gars. Amélie, comme je les aime. Allez, montez, montez, montez. C'est bon, on a réussi. Où on va? Aguayo vient de me contacter. Il est à 80 bornes nord. Ok. Marlo, occupe-toi de nos poursuivants. Des quads ennemis là en bas! Je les vois aussi, et alors? Et alors, ils ont des lance-roquettes! Tu fais demi-tour? Ouais! J'essaie de descendre un peu, ok? C'est bon, je retourne l'appareil! Marlowe, prends l'autre mitrailleuse, couvre ce flanc! Si tu continues comme ça, c'est gagné! Ou pas! Accrochez-vous! Je vais nous tirer de là! Abattez ce putain d'hélico! Flinguez-les! C'est quoi ça? Il y a un convoi sur la falaise! À droite! Laisse pas passer une occasion pareille! Ça m'a pas mal changé les idées. Ils reviennent.
accrochez-vous! C'est terminé! On dégage! Voilà votre jouet. Maintenant, expliquez-vous. Ouais, voilà. C'était un imposteur? Oh non, notre ami était un vrai patriote. Il m'a mis des bâtons dans les roues pendant des années, vous voyez? Mais c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont menti. Qui? Qui vous a menti? Qui m'a menti? Oui. Quelle importance? Parce que j'ai fait des recherches sur vous, sans rien trouver d'intéressant. Jusqu'à ce que je vous voie disjoncter en entendant le nom de Thomas Wyatt. Il avait un fils, James, qui aurait à peu près votre âge. Arrêtez-moi si je me trompe. Thomas Wyatt était votre père. Quand vous avez découvert que ses supérieurs l'avaient trahi, tout a basculé. C'est le gouvernement qui vous a menti, n'est-ce pas? Je leur avais tout pardonné. Et puis, j'ai entendu dire qu'ils étaient au courant. Pour l'arme. Voilà pourquoi ce pays doit être anéanti. Espèce de taré, vous détruiriez un pays entier par simple vengeance? Moi? Non. Mais lui, si. Effectivement. Les négociations ont un peu capoté, non? Mon karma est au beau fils! Vous en faites pas pour moi, le monde a besoin de vous! Hé, hey, Agathe! Encore merci pour les clopes! Non! Allez, on se tire d'ici, go! Alors? Et maintenant, sergent? Je sais pas, on leur a livré le dernier composant d'une arme ultra-puissante sur un plateau. Il y a un changement de plan. Le colonel russe est en route vers le port, et les Américains sont introuvables. Restez vigilants. Marlowe, occupe-toi de lui. Ok, à vos ordres, sergent. Ce bruit? Je sais pas, mais j'aime pas ça. Ennemi à 12 heures! Nickel! On doit se tirer de là, et vite! Mais attends! Il se barre! C'est ça, tirez-vous! Non! Je le sens mal! Très très mal! Vous entendez? Tir de mortier! À couvert! Ils viennent de la colline! Allez, on bouge, on bouge!
Cette vallée est devant. C'est notre seule option. Non, mais je vais me le faire, moi. Le Jean-Pierre Mortier. Allez, go, go, go. Fonce vers le canal! Allez, allez, allez! Go, go, go! Par là. Oh! Oh! Vache! Ça schmoute! On dirait... On dirait ta bouche, ouais! Ah, bon. Le port doit plus être bien loin. Waouh! La vache. J'ai déjà vu cet avion quelque part. Pourquoi est-ce qu'il... Minute. Pourquoi il brille comme ça? Oh, non, non, non! À terre! Sweet, on est mort? Non. Je crois qu'ils viennent de tester l'arme scalaire. Elle doit être à bord de l'appareil. Ah. Cette fois, j'ai ma dose. Ouais. Je crois que je suis d'accord avec Haggard sur ce coup. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Preston, on n'est vraiment pas de taille. On ferait mieux de rentrer. Rentrer? Où ça? Chez nous? Il n'y aura plus de chez nous! Il n'y aura plus rien! Sweetwater, c'est tout? T'es vraiment pas fait pour les forces spéciales, en fin de compte. Dès que ça se gâte, tu te barres! Sergent, vous avez peur, vous aussi? Je vois. Très bien. J'irai seul, s'il le faut. Non, Preston. Pas question. Et vous deux? Vous avez intérêt à écouter Marlowe. Faut y aller. Sweet. C'est du lourd, mec, cette affaire. Je suis sûr qu'il veut savoir la fin. Ouais, vous me connaissez trop bien. Et toi, Haggard? Si tu nous lâches, il y aura plus de Texas. Ouais. Plus de cartouches d'AR-15 en vente libre au supermarché. Plus moyen de tirer sur les intrus devant chez toi. Terminé, les Wish Lorraine. Plus de dimanche de Super Bowl. Plus de pom-pom girl peu farouche. Alors ça, jamais. Allez, laissez-moi passer. Je dois sauver toutes ces malheureuses. C'est calme. Ouais, plus rien fonctionne. Regardez ça, ça fout les jetons. Vous croyez que Kirilenko est à bord? Peut-être, ça change rien au problème. Vous ici? Quelle surprise! Très drôle, Marlowe. Si on survit à tout ça, je te botte le cul jusqu'à Dallas! Hé, l'avion se déplace! Ce truc est vraiment énorme! C'est un AN-225. Immense, un vrai monstre! Je peux vous dire que c'est le plus gros avion jamais construit! Ce truc peut transporter jusqu'à 253 tonnes de matos! Bah, faut sortir, les gars! L'arme scalaire aurait dû détruire l'avion aussi, non? Ouais. C'est bizarre, on dirait que le centre d'émission a été épargné, mais autour... Peu importe. On n'a aucune chance d'arrêter cet engin. Qui a envie de détourner un avion?
Cette nuit fut longue. Très, très longue. Mais on dit que c'est toujours avant l'aube qu'il fait le plus sombre. Parfois, il suffit juste d'allumer la lumière. Fais au couteau, tu prends son arme. Allez. Échec, merde! Preston, dépêche-toi! Dépêche-toi! Excellent. Des armes. J'ai plus beaucoup de munitions. Moi non plus. Quelle merde. Jusqu'au cockpit? Ouais, aucun problème. J'ai le plan en tête. Parfait. Quelqu'un a son brevet de pilote? Bah, tant pis. On trouvera bien une solution. En avant. Allez, on a assez joué à cache-cache. C'est bon, on bouge. Ils sont derrière cette porte. On ouvre et tu passes devant, Marlo. Attends le fumigène et dégomme-les. Vous arrêtez pas, il y a rien pour se planquer ici. Vous arrêtez pas, avancez. Arrête pas de tirer, Preston, couvre-nous. Voilà le cockpit, pas trop tôt. Hey, c'est l'heure de la revanche. Vous placez, les gars. Merde, c'est le putain de mur part dans l'embout. Où est ce fumier de Kirilenko? On est à environ 130 km de la frontière texane. Merde! Sergent, on n'a plus le temps! Messieurs, le composé que vous m'avez remis nous protégera de la déflagration. Je vous en suis très reconnaissant. Bon spectacle. Dis-moi, Sweetwater, il y a bien un moyen d'entrer dans cette salle, pas vrai? Bah oui, mais... Oh, et puis merde. De toute façon, la retraite, c'est chiant. Vous arrivez trop tard. Le point de largage est en vue. C'est ce qu'on va voir. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Reculez, les gars. Et place au spectacle. Marlo, on compte sur toi. Mène-toi, Marlo, on a plus de temps. Et voilà. Accrochez-moi quelque chose. Allez, on saute de cette poubelle volante. Ce foutu tas de ferraille va s'écraser. Amène-toi. Où est Kirilenko? Go, go, go.
When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. City, Texas, guess youhou, baby! Ouais, ouais, ok, j'aurais bien fini par venir faire un tour. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sergent, vous dites rien! Demande plutôt ça à Marlowe. Grâce à lui, je suis officiellement retraité. Ouais, beau boulot, Marlowe. Hein? T'as autant de mérite que moi, Sweetwater. Je sais pas, c'était cool, mais ce genre de truc, c'est pas vraiment mon style, finalement. Il faut fêter ça, les mecs! Moi, je connais un endroit que vous allez adorer. Il y a cette nana, là, Chantal. Quand elle se penche... Compagnie B, garde à vous! Messieurs. Chef. Repos. Vous avez toute la gratitude du gouvernement des États-Unis. Bon, les gars, désolé d'avoir à vous dire ça, mais va falloir venir avec moi. Pourquoi, colonel? Les Russes, ils nous ont envahis. Ah, mais non, chef, on vient juste de pulvériser leur super arme secrète. PS, l'invasion est annulée. Ici, peut-être. Mais ils attaquent par l'Alaska. L'Alaska ? C'est pénible d'avoir toujours raison à la fin.